00900-ZR du 28 juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en RDC. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro E0900-ZR conclu en date du 28 juin 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo pour un montant de 250 milliards américains, 200 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 8 août 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre. Comme annoncé au sommaire, les États-Unis d'Amérique ne souhaitent pas entretenir une relation unilatérale avec les pays africains, mais plus une collaboration équilibrée entre États souverains. Cette volonté de Washington a été transmise à Kinshasa par le secrétaire d'État américain en visite d'État en RDC depuis hier. Anthony Blinken a échangé pendant des longues heures avec le chef de l'État. À l'issue de ces échanges, l'homme d'État américain a co-animé une conférence de presse avec le ministre congolais des Affaires étrangères. Patrick Michel Mukuyiro, GDI, nous en parle. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Nginy ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalima pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements RDC pendant leurs discussions. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts de Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain, qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités, tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations, c'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations, nous voulons que cette violence qui sévit à l'est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très, 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 très
turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Le président de la République est attendu à N'Djamena, en République du Tchad, invité par le président du Conseil militaire de transition et président de la République tchadienne, le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, prendra part aux festivités de son deuxième anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Le point avec nos envoyés spéciaux, Fanny Kikufurifek Gombeli. Depuis 1960, le Tchad célèbre chaque 11e jour du mois d'août son accession à l'indépendance obtenue de la France. Avec comme premier président de la République François Tombal Bay, assassiné en 1975, le pays a retrouvé sa souveraineté après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, AEF, puis une république au sein de la communauté française. À la place de la nation, lieu prévu pour la manifestation à l'occasion du 62e anniversaire, le décor prend corps. De leur côté, les couleurs nationales sont au rendez-vous. La joie et la fierté des sentiments exprimés par le peuple tchadien. Chaque année, si s'approche, on fête la fête de l'indépendance, on est content, on vit très heureux vraiment. Et ça donne l'honneur à tout le monde, les étrangers, les Tchadiens, et puis tout le monde. Alors. Nous, la population, nous sommes fiers. Pourquoi je dis fiers? Parce que cette indépendance, fête nationale et annuelle, pour vous dire que le Tchad est indépendant et libre. Annoncé parmi les invités de marque du président du Conseil militaire de transition et président de la République du Tchad, le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y prendra part en sa qualité de président de la CEAC. La République du Tchad et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations diplomatiques depuis 1969. Membres de la CEAC et de l'UIA, les deux pays sont appelés à se développer et à promouvoir une coopération sud mutuellement avantageuse. Les relations entre le Tchad et la République démocratique du Congo sont au beau fixe depuis des années, depuis des décennies. Historiquement, le Congo, l'ex-Zaïre, a toujours soutenu le Tchad dans des moments difficiles. Le président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi arrive ici à N'Djamena pour en même temps représenter la RDC et avec sa casquette de président de la CEAC, il représente tous les pays d'Afrique centrale. Et donc ça ne fait que confirmer les bonnes relations qu'il y a entre nos deux pays et en même temps mettre en valeur l'Afrique centrale que le président représente aujourd'hui. Admis à l'Organisation des Nations Unies le 20 septembre 1960, le Tchad a accédé à sa souveraineté par une entente avec la puissance coloniale comme plusieurs autres colonies françaises d'Afrique. Pour la petite histoire, la longue marche vers l'indépendance a été marquée par la participation de ses ressortissants aux deux guerres mondiales, celle de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945. C'est à la Seconde Guerre mondiale que le Tchad s'est illustré en devenant le premier territoire d'outre-mer à rallier la France libre du général de Gaulle.
Une nouvelle opportunité pour le Japon de consolider sa coopération bilatérale avec les Africains, et bien cela est possible grâce à la tenue de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique vers un continent résilient, inclusif et prospère. C'est le thème de ces travaux qui se tiendront du 27 au 28 août prochain à Tunis. C'est le sens qu'il faut donner à cette séance d'information tenue hier par l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce séminaire d'information sur la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8, qui se tiendra du 27 au 28 août prochain à Tunis, a permis des échanges entre les professionnels des médias et le représentant résident de la JICA en RDC. Hironobu Murakami présente les enjeux de la TICAD 8. Le continent d'Afrique se développe maintenant. Il y a beaucoup de possibilités et de développement du secteur privé. La TICAD est l'opportunité de collaboration entre le pays d'Afrique et les autres pays participants et les organisations internationales. Avec ses 31 bureaux disséminés dans 54 pays africains, la JICA s'active dans plusieurs domaines pour contribuer à la réduction de la pauvreté. En RDC, 5 axes de coopération sont orientés notamment dans les ressources humaines, pour l'industrie, la santé, la réforme de la police, les infrastructures et l'environnement. Face à la fragilité créée par la pandémie, les pays africains sont appelés à rectifier le tir pour améliorer leur croissance économique, et la RDC, avec ses atouts, est aussi attendue à ce grand rendez-vous de Tunis. Pour rappel, la TICAD est organisée depuis 1993 tous les 5 ans, puis depuis 2016 tous les 3 ans. Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements de la RDC, a été élu président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. La passation de charge a eu lieu mardi avec l'Ivoirien Emmanuel Essis à Abidjan. Emmanuel, commissaire. La République démocratique du Congo n'est plus que partie prenante dans les organisations internationales, mais elle mène la danse dans certaines d'entre elles, comme avec ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Élu à l'unanimité par ce pair lors de la 4e Assemblée générale tenue à Kinshasa, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a officiellement pris ses fonctions de président des RIAFPI après une brève cérémonie de passation de charge avec le président sortant Emmanuel Esmel Essis de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements a dans son discours décliné les 5 axes majeurs de sa mandature, parmi lesquels la poursuite des réflexions pour l'obtention d'un fonds de garantie pour les RIAFPI, la création d'une école d'excellence pour les réseaux ou encore la création d'un label de pays membres des RIAFPI. L'un des gros défis, c'est les questions financières. Pas seulement pour les agences, mais aussi pour les opérateurs économiques, et aussi pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les start-up. Parce que lorsque nous faisons la promotion d'investissement, nous sommes en train de rechercher à ce qu'il puisse y avoir une promotion d'investissement dans le secteur local. Ça veut dire que les pays africains ont des sérieux problèmes pour l'accès au crédit. Alors les jeunes, chaque fois que je peux discuter avec eux ou avec elles, parce que ça peut être des hommes comme des femmes, se disent je peux avoir des idées, mais où est-ce que je trouverai de l'argent? Et donc ce fonds de garantie fera en sorte que les agences de promotion d'investissement aient des moyens financiers pour pouvoir exprimer leur politique, mais aussi créer un écosystème pour que les petites et moyennes entreprises puissent se dire je peux puiser quelque part, bien sûr à certaines conditions. Créé en mars 2014 dans la dynamique du renforcement de la francophonie économique, le RIAFPI, qui dirige désormais Anthony Kinzo, est une plateforme de coopération et de solidarité entre les agences de promotion des investissements francophones, un cadre d'échange de meilleures pratiques en matière de promotion des investissements. Intéressons-nous à cette affaire des vols des câbles en cuivre au Lualaba, privant ainsi les sociétés minières de l'énergie. Notre consoeur Yvette Makoutime est sur place et nous explique ce qu'il se passe. La province du Lualaba est réputée dans cette mauvaise pratique. Les lignes haute tension 120 kV, Luilou 1 et Luilou 2, permettant l'alimentation des usines de la société Kamoto Coopers Company à partir du répartiteur ouest,
sont hors réseau suite aux actes de vandalisme perpétrés par des inciviques non autrement identifiés. Les pylônes numéro 4 et 5 de la ligne Luilou 2 sont tombés. Les 6 et penchés et autres fragilisés, nous sommes là à Kolwezi, dans la cité de Tchala, commune de Dilala. Après ces sabotages, les pays enregistrent donc des pertes économiques énormes. Les abonnés SNEL éprouvent d'énormes difficultés pour la production. La population est plongée dans le noir, des délestages et autres. Les tableaux sont donc moins reluisants. Si les actes continuent et que le client n'est pas alimenté, il y a des conséquences sur le moyen financier que la SNEL devra encore mettre, dépenser pour non seulement réhabiliter la ligne, mais continuer le processus de remplacement de conducteurs en cuivre par les conducteurs en aluminium. Il y aura des conséquences sur le plan économique, parce que le pays attend des redevances, le pays attend que ces entreprises produisent et payent l'impôt. Mais s'ils ne produisent pas, c'est des manques à gagner pour l'État congolais. Et c'est toute la communauté congolaise qui va subir ces conséquences. Des tonnes de débris, des conducteurs électriques en cuivre volé, cornières et isolants sont entreposés dans l'enceinte des installations de la division post-ligne Kolwezi pour la sécurité. On y trouve aussi des tourets, des conducteurs électriques en aluminium qui servent au remplacement progressif de ceux en cuivre dans la province du Lualaba. L'implantation à Kinshasa d'une usine de fabrication des ordinateurs et tablettes scolaires, on en parle à présent. Les investisseurs américains sont bien disposés à investir dans le secteur du numérique eurodépendant. 1000 emplois directs et 10 000 en perspective en faveur de la jeunesse congolaise qui risque d'échapper à la RDC. La firme américaine Industry 5 est résolument engagée à implanter une usine de fabrication moderne des ordinateurs portables et des tablettes scolaires avec une technologie de pointe. Les propriétaires de cette société américaine sont arrivés à Kinshasa depuis 2020 sur invitation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au lendemain du mémorandum d'entente conclu entre le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Industrie et cette firme américaine possédant un background gigantesque dans le numérique reconnu par les départements américains et propulsé par des sociétés les plus avancées dont Microsoft, Intel et autres. À la suite du quitus du gouvernement obtenu à l'issue du Conseil des ministres de mars 2020 sur instruction du chef de l'État, le FPI devrait apporter 12 millions de dollars pour la partie congolaise. Malheureusement, ces projets souffrent d'exécution pour permettre à plus de 50 000 jeunes congolais d'apprendre à fabriquer des ordinateurs Made in Congo. J'ai du mal à comprendre qu'une administration puisse s'opposer à une décision prise par son propre gouvernement. Moi-même ainsi que tous ceux qui m'entourent avons fait ce qui était à notre pouvoir. Maintenant, c'est au gouvernement de nous aider avec le dernier kilomètre. J'espère que le président et le premier ministre vont s'impliquer et s'assurer que ces projets exceptionnels deviennent finalement une réalité. Depuis 27 mois écoulés, ces investisseurs ont effectué plusieurs voyages à Kinshasa sans succès. Aujourd'hui, les séances de travail entre les experts congolais et les investisseurs américains ont permis de faire un plaidoyer pour l'implication personnelle du président de la République. La loi des programmations militaires promulguée il y a peu par le président de la République produit déjà ses effets. 1500 anciens combattants vont désormais bénéficier d'un traitement digne de leur rang. L'un d'eux vient de recevoir un logement, des vivres et une assistance à la satisfaction de sa famille. Jeune Dibou nous en parle. Conformément au plan d'action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qui inclut dans sa gestion ceux qui ont servi le pays sous le drapeau dans le passé, tous les anciens combattants estimés à 1500 à travers le territoire national bénéficient d'un traitement digne de leur rang. C'est ainsi qu'ils perçoivent régulièrement leur rente qui va être sensiblement augmentée consécutivement à la loi de programmation militaire dernièrement promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-il également prévu dans cette loi l'octroi d'une maison pour chacun d'eux dans leur terrain situé dans la commune d'Ondjili? Le ministre de la Défense nationale a instruit la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, de procéder à un recensement général de tous les anciens combattants pour garantir leur prise en charge ordonnée et éviter des cas isolés. C'est par exemple le cas de l'ancien combattant Loleke Lomanissa, dont une fois saisi de la situation précaire qui lui est arrivée
arrivée, le ministre de la Défense nationale a réagi en lui offrant un logement, des vivres et tous les équipements nécessaires. Merci Balankama. Merci Nzambe. Papa Nabiso, quel est là? Merci pour cette reconnaissance et la prise en charge de notre Père. Nous remercions Dieu et le chef de l'État pour avoir songé à nous. Sur ces dossiers, la vice-ministre a apporté une précision selon laquelle cette situation résulte du fait de son absence prolongée dans les rencontres organisées à l'intention des anciens combattants. Et donc, il était méconnu de tous les services. Le programme de développement des 145 territoires, ce vaste projet initié par le chef de l'État, sera bientôt lancé dans la province du Bas-Uélé. C'est dans ce cadre que le gouverneur de cette province est venu solliciter l'accompagnement de la RTNC pour la vulgarisation du bien fondé de ce programme. Il est venu présenter au directeur général intérimaire de la RTNC. Le gouverneur de la province du Bas-Uélé est aussi venu remercier Robert Belide Bunga pour la visibilité de sa province sur la chaîne nationale. Le programme des 145 territoires du chef de l'État sera lancé très prochainement dans la province du Bas-Uélé, une occasion pour Jean-Robert Nzanza de solliciter encore l'accompagnement de la RTNC pour la diffusion de toutes les activités liées à ces programmes afin que la population s'en approprie. Effectivement, les échanges que nous avions eu aussi avec le directeur général, c'était l'état des lieux de la RTNC dans les Bas-Uélé. Et nous avons échangé et nous avons trouvé des pistes de solutions sur lesquelles nous allons rapidement travailler pour que la RTNC Bas-Uélé puisse émettre. Une demande que le patron de ces médias publics a répondu favorablement. Il est impérieux pour nous en tant que presse officielle de lui apporter tout notre concours. Quand il parle du désenclavement médiatique, je crois que c'est un souci qui nous anime pour permettre à ce que tout ce qu'ils entreprennent comme activité soit connu de tous et surtout tout ce que le chef de l'État, notre président de la République pose comme action dans le cadre surtout de ces programmes ambitieux de 145 territoires. Eh bien, tout cela soit connu également du public congolais. Les habitants de Bouta, au Bas-Uélé, n'écartent plus la radio-télévision nationale congolaise depuis plusieurs mois, une doléance soumise à Robert Belide Bunga par son hôte. Le numéro 1 de la RTNC a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai. Clôture du tournoi de la paix organisé en Ituri, occasion pour le coordonnateur des Amis de Serge Lunima d'appeler les jeunes de Bambou et Kobou en territoire de Djougou de cultiver la paix. Images et commentaires. Étant rétabli dans la région de Bambou-Kobou, en secteur de Walendu-Djati, en territoire de Djougou, à environ 50 km au nord-ouest de Bounia, ceci grâce à l'administration militaire. L'ère est à la consolidation de ses acquis. C'est dans ce cadre qu'il s'est clôturé le dimanche 6 août à Bambou. Un tournoi de paix regroupant 16 équipes de ce groupement après 54 jours de compétition. Une initiative de l'ASBL, les amis de Serge Lonema. Le chef du groupement Yalala, Mbidjo Pierre, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Je suis dans la joie sans les chefs de l'État et le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyakansha Madjouni, et sans la paix que ces tournois n'allaient pas avoir lieu. Je dis merci à notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité qu'ils ont milité ensemble avec le gouverneur pour organiser ces matchs. C'est vrai qu'il y a la paix chez nous. Occasion pour l'initiateur de cette compétition, Serge Lonema, d'appeler le groupe armé Kodeko à demeurer dans le processus de paix. Et au groupe armé, d'abord, nous leur demandons les processus qu'ils ont déjà entamés avec le gouvernement, qu'ils gardent le même pas. Bien sûr qu'il y aura des provocations de part et d'autre, mais qu'ils ne cèdent pas à des provocations. Les autorités à leur niveau, à leur groupe armé, les autorités communautaires, les autorités de l'affaire coutumière sont là, qu'ils puissent voir à quelle mesure faire leur rapport au gouvernement afin que cette paix déjà entamée ne puisse pas être brisée. Signalons qui, pour encourager l'encadrement de la jeunesse, des jeux de varès, de ballons et des enveloppes ont été remis aux équipes ayant pris part à ces tournois. Question de dissuader également les jeunes d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Un autre cheval de bataille du lieutenant général, le Boyan Kachoma Djouni.
fait de l'actualité, un sit-in a été observé en face du ministère de la formation professionnelle. Les inspecteurs de ce ministère réclament les paiements de leurs droits et la réhabilitation de l'inspecteur général. Témoin de l'événement, Toto Célestine Sungupaka et Bijou Ekanga. Les inspecteurs de la formation professionnelle et métiers ne jurent que sur l'intervention du chef de l'État pour trouver une solution à leurs problèmes. Il s'agit d'accéder à leurs droits après leurs prestations en l'an 2021 et surtout le moyen financier conséquent dont ils doivent disposer pour procéder à leur session d'évaluation. Ils estiment que l'État doit être très regardant sur ces jeunes ministères qui jouent un rôle très important dans la formation de la jeunesse, l'avenir de la nation. Vu l'État qui nous reste pour la préparation des sessions qui va intervenir incessamment le 23 au 25. Vu que l'inspecteur général actuel reste et demeure l'unique expert capable d'organiser les activités en cours, nous sollicitons à Madame le ministre Antoinette Kipoul de reporter sa décision. Nous demandons au commandant suprême, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi à son Premier ministre de s'impliquer pour sauver la jeunesse congolaise en péril. L'espoir fait vivre, dit-on, ces inspecteurs croient en la prise en compte de leurs préoccupations pour les autorités du pays. Lancement depuis lundi 8 août 2022 à Kinshasa de la campagne de sensibilisation de la loi numéro 12 de 2002. Cette disposition de la loi octroie à la Société congolaise des postes et télécommunications le monopole de l'exploitation des services postaux en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndolo Demazou. La Société congolaise des postes et télécommunications est le seul exploitant public désigné par la loi numéro 012 de 2002 pour organiser les services postaux. Aucun exploitant privé ne peut s'arroger ce droit. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, a lancé lundi 8 août 2022 la campagne de sensibilisation pour le respect strict de cette disposition de loi. C'est une session, une séance de sensibilisation concernant la loi de 2002 qui a donné donc le monopole à l'exploitant public désigné qui est la Société congolaise des postes et télécommunications en ce qui concerne la matière postale pour collecter, pour transporter et distribuer des courriers et des colis de 0 à 2 kilos. Je peux dire qu'officiellement aujourd'hui on lance cette campagne de sensibilisation pour que chacun puisse savoir. Après la sensibilisation, qui va durer 2 mois, plus 1 mois d'identification des acteurs, et puis le 3e mois viendra la répression. Donc personne ne dira que je n'étais pas au courant. Nous allons utiliser tous les supports de communication, des médias, pour que chacun sache qu'il y a une loi dans ce pays. Selon le DG de la SCPT, cette campagne de sensibilisation sera également lancée dans toutes les provinces du pays dès cette semaine. En politique, le secrétaire général de l'UDPS est à Loufo, Congo central. Augustin Kabuya est allé pour sensibiliser les membres de son parti sur le respect de l'autorité de l'État et le civisme fiscal pour soutenir les actions du chef de l'État, Alain Bikaï. N'hésite pas un seul instant pour soutenir les initiatives qui concourent au rayonnement du parti d'Étienne Tshisekedi de Rez-Mémoire. Le week-end dernier, le secrétaire général était dans la localité de Loufou, au Congo central, pour l'inauguration des nouveaux bâtiments devant abriter les sièges de la cellule de son parti dans ce coin du pays. Un édifice à la tête de ce parti, construit par un cadre avec le concours du patron de l'administration de ce parti. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 du parti présidentiel, Augustin Kabuya, en a profité pour sensibiliser la population de cette zone frontalière sur le respect de l'autorité de l'État et les conséquences des fraudes douanières sur le pays. On ne peut plus jamais relever que vous soutenez le chef de l'État, mais ce que vous faites, ça ne prouve pas que vous êtes derrière le président de la République. Pour soutenir l'autorité, nous sommes basés pour évoluer au niveau frontière. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons calmement. Nous avons fraudé. Puisque ce que nous avons fait, c'est la fraude. La recette,
l'État congolais n'a pas réalisé et pas échappé. C'était aussi l'occasion pour lui de relever quelques réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population. Le régime Tshisekedi réalise triple de ce que les gérants réalisé hier. Vous arrivez à la DGI, la même chose. Et si à Bamando fout à 20 militaires, 30 000 francs congolais. Mais avec Tshisekedi, ça passe de 30 000 à 250 000. Peu avant, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris part à la cérémonie d'intronisation des nouvel évêques des diocèses de Kisantu, Mgr Jean-Crispin Kembeni Kikanda. Guilain Niembo, directeur de cabinet du président de la République, est victime d'une campagne de déstabilisation. C'est ce que révèle dans une déclaration la jeunesse de l'UDPS qui explique le contexte de cette tentative. Les jeunes de l'UDPS, nous suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur de cabinet du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cadre et membre éminent de l'Union pour la démocratie et le progrès social Bar Tshisekedi, M. Guilain Niembo, par des personnes non autrement identifiées, dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison. En effet, depuis l'élection brillante d'une UDPS à la tête de la province de Tanganyika, et le décès d'un des 13 parlementaires fondateurs de notre cher parti, le regretté Kyungo Kumwanza, certains cadres politiques du Haut-Katanga vivant à Kinshasa, dont le candidat aux primaires et lors des élections démocratiques et transparentes a été bâti au Tanganyika, ne cessent de monter des coups bas de tout genre. Tous ridicules les uns après les autres contre M. Guilain Niembo pour le détourner de son devoir qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'État comme directeur de cabinet. Nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'UDPS au Grand Katanga. Nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'UDPS. Nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuire. Nous appelons le peuple congolais à soutenir l'UDPS et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence d'un Congo pacifique, prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général, et du Grand Katanga en particulier. Que vive la jeunesse de l'UDPS, que vive le directeur de cabinet Guilain Niembo, que vive le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, ordonnance numéro 22/131 du 8 août 2022 portant approbation de l'accord de don numéro E0900-ZR du 28 juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 69 et 79, vu telle que modifiée et complétée à ces jours. La loi numéro 11/011 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques, spécialement articles 33 et 34, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48 alinéa 3 et 71 alinéa 2 et 3. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-17. Vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'accord de don numéro E
0900-ZR du 28 juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro E0900-ZR conclu en date du 28 juin 2022 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo pour un montant de 250 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 8 août 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre. Fin de ce journal réalisé par Yolande Vauquat-Louison Moulongueuil. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de la RTNC. Au revoir.